Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la série de Fourier. Nous allons résoudre un exercice en expliquant très bien les contours, les méthodes permettant de résoudre cet exercice facilement. L'exercice est le suivant. En utilisant la transformée de Fourier, déterminez la fonction paire et 2π périodique définie dans l'intervalle 0π par f de x égale 8x. Déterminez la valeur de la somme suivante. Somme m égale 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2m moins 1 au carré. Ici, il s'agit d'un exercice concernant la transformation de Fourier qui va aboutir à la détermination d'une somme. Déjà, la fonction qui a été donnée est f de x égale 8x dans l'intervalle 0π. Pour ce faire, pour résoudre ce genre d'exercice, il est préférable déjà de représenter la fonction. Nous allons représenter sur trois périodes. Nous savons déjà que la fonction est paire. Et nous savons aussi que f de x égale x dans l'intervalle 0π. Je représente d'abord la fonction dans l'intervalle 0π par f de x égale x. Donc f de π va donner 8π. Voici ma droite dans l'intervalle uniquement de 0 à π. Puis je vais me baser sur la parité. Puisqu'on nous a dit que la fonction est paire, cela signifie que la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je représente donc l'autre moitié, c'est-à-dire dans l'intervalle moins pi 0. On nous a dit que la fonction est 2 pi périodique, donc la période peut aller de 0 à 2 pi ou alors de moins pi à pi. Ici, avec ces représentations, je vais de moins pi à pi. Cela signifie que notre fonction est déjà représentée dans une période. Et bien sûr, la fonction est 2π périodique et paire. Pour représenter les trois autres périodes, ou alors pour représenter l'ensemble des périodes, je vais tout simplement reproduire cette fonction plusieurs fois dans les intervalles d'écart 2π. On aura donc cette représentation qui concerne une représentation sur trois périodes. Maintenant que la représentation est terminée, il faudrait calculer les coefficients de Fourier. Déjà, nous savons que la décomposition en série de Fourier permet de ressortir trois coefficients, le coefficient A0, AN et BN. Lorsqu'une fonction est paire, bien sûr, le coefficient BN égale 0. Pour déterminer A0, nous appliquons la formule A0 égale 2 sur pi intégrale de 0 à pi f de x dx. Nous avons l'expression de la fonction dans l'intervalle 0 pi. Et cette expression est tout simplement 2 sur pi. En fait, cette expression est 8x. Je remplace donc f de x par 2 par 8x. Et j'ai 2 sur pi intégrale de 0 à pi 8x dx. Or, l'intégrale de 8x, c'est 4x carré. On aura 2 sur pi facteur à 4x carré allant de 0 à pi. Ainsi, en remplaçant x par pi, on aura A0 égale 8 sur pi fois pi au carré. On peut simplifier par pi pour avoir finalement A0 égale 8 pi. Pour déterminer AN, on passe par l'expression AN égale 2 sur pi intégrale de 0 à pi f de x cosinus nx dx, qui est encore égal à 2 sur pi intégrale de 0 à pi de 8x, puisque f de x est 8x, cosinus nx dx. Ici, je vais faire sortir ce 8 et je vais passer par intégration par partie. Pour passer par intégration par partie, je pose u égale x, j'aurai v' égale à cosinus nx, j'aurai u' égale 1 et v est égal à 1 sur n sinus nx. La formule d'intégration par partie nous permet d'écrire, puisque 8 va sortir, ça va faire 16 sur pi facteur à u fois v, c'est-à-dire 1 sur n x sinus nx, bien sûr, allant de 0 à pi, moins u prime v, c'est-à-dire 1 sur n intégrale de sinus nx. Or, le sinus de n pi, c'est 0. Le sinus de 0, c'est 0. Cette expression va disparaître. Il va rester an égale
16 sur pi fois moins 1 sur n est l'intégrale de 0 à pi sinus nx dx. Or, l'intégrale de 0 à pi de sinus nx dx est égale à moins 1 sur n cosinus nx. On aura donc moins 16 sur pi n facteur à moins 1 sur n cosinus nx. Ainsi, remplaçant pi et x par pi est 0, on aura a n égale 16 sur pi facteur à cosinus n pi moins cosinus 0. Or, le cosinus n pi est égal à moins 1 à la puissance n. Et le cosinus 0 est égal à 1. On aura a n finalement égal à 16 sur pi n carré moins 1 à la puissance n moins 1. Nous pouvons bien laisser ce coefficient ici, mais nous remarquons que nous pouvons aussi jouer sur la parité de n. Puisque si n est pair, on aura moins 1 à la puissance n donne 1, ce qui signifie qu'on aura 1 moins 1, 0. A n va donner 0 lorsque n est pair. Et lorsque n est impair, moins 1 à la puissance n donne moins 1. Moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 fois 16, ça fait moins 32. On aura a n égale moins 32 sur pi n carré lorsque n est impair. Ainsi, a n sera donc considéré, puisqu'un nombre impair se met sous la forme 2m moins 1, a n sera donc considéré comme égal à 32 moins 32 sur pi facteur à 2m moins 1 au carré. La série, la décomposition, nous rappelons que la décomposition en série de Fourier d'une fonction f est sous la forme, bien sûr, fonction périodique, a0 sur 2 plus somme n égale 1 jusqu'à l'infini de an cosinus nx plus bn sinus nx. Nous allons remplacer a0, an et bn par l'expression. Déjà a0, déjà bn bien sûr, la fonction était impaire, bn égale 0. a0 égale 8pi. Nous avons besoin de a0 sur 2. a0 sur 2 c'est 4pi. an égale moins 32 sur pi facteur à 2m moins 1 le tout au carré. Bien sûr, avec n égale à 2m moins 1. Finalement, la décomposition en série de Fourier de la fonction sera, en remplaçant a0 sur 2 par 4pi et an par son expression, ff de t sera donc égal à 4pi plus somme m égale 1 jusqu'à l'infini de moins 32 sur pi facteur à 2m moins 1 au carré cosinus 2m plus 1 ou bien 2m moins 1. X. À ce niveau, nous venons de faire la décomposition en série de Fourier de la fonction donnée f de x. Nous allons passer à la deuxième question, à la troisième question en fait, en déduire la valeur de la somme. La somme égale m égale 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 2m moins 1 au carré. Ici, je vais utiliser le théorème aux limites, le théorème de Dirichlet. Lorsqu'on regarde notre fonction, déjà, une fonction est égale à sa décomposition en série de Fourier. Cela signifie que, puisque j'ai f de x égale 8x, f de 0 égale 0, cela signifie aussi que ff de 0 va donner 0. Nous aurons, d'après le théorème de Dirichlet, f de 0 égale à ff de 0. Cela signifierait que ff de x ou bien ff de 0 égale 0 ou ff de x égale 0 pour x égale 0 bien sûr. En remplaçant donc x par 0, on aura 4pi facteur à 4pi plus somme m égale 1 jusqu'à l'infini de moins 32 sur 2m moins 1 au carré cosinus 0 égale 0. À partir d'ici, nous savons que le cosinus 0 c'est 1. On aura somme de m égale 1 jusqu'à l'infini de moins 32 sur pi facteur à 2m moins 1 au carré cosinus 0 égale moins 4pi. J'ai fait envoyer 4pi de l'autre côté. En remplaçant cosinus 0 par 1 et en faisant sortir la constante, on aura somme de 32 sur pi. En fait, on a 32 sur pi somme m égale 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 2m moins 1, le tout au carré égale à 4 sur pi. On peut donc tirer notre somme recherchée. On aura finalement la somme
M égale 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 2m moins 1 au carré égale à pi carré sur 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. En attendant, voici un exercice d'application. Développez en série de Fourier la fonction paire 2π périodique définie dans l'intervalle 0π par f de x égale 5x et en déduit la somme. On déduit les sommes. Bien sûr, il y a deux sommes ici. Et la première somme, on peut passer par Dirichlet. Et la deuxième somme, on va passer par l'égalité de Parseval. N'oubliez pas de liker. Merci.